Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juin. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Je vais dire ce qui va se passer. J'ai déjà tiré les cartes ici du tarot de Marseille. J'ai réalisé un tirage en croix à ma façon. Je rajouterai d'autres cartes du Golden Universal Tarot et une autre carte pour le message de l'univers. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez me suivre, aller plus loin sur mes actualités et avoir plus d'informations. Eh bien, j'ai la newsletter qui se trouve juste en dessous. Il vous suffit de vous inscrire pour tout recevoir et recevoir la vidéo de l'année 2023 qui est totalement offerte que j'ai réalisée. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous de la vidéo. Et cette fois-ci, nous allons commencer les Capricornes. Alors, ce que je ressens dans l'ensemble, c'est une période de stabilité pendant ce mois de juin qui vous attend. Il y a des changements, il y a des choix que vous allez faire, quel que soit le domaine de vie. Vous allez reprendre le contrôle, c'est ce que je vois. Les choses vont aller de l'avant. Vous allez utiliser votre force pour justement reprendre le contrôle de tout ce qui a pu vous échapper, quel que soit le domaine de vie pendant ce mois de juin. Donc, on va commencer par l'empereur, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit moment, on va dire, d'égarement. Donc l'empereur ici, c'est une carte d'autorité. Ça représente la structure, le contrôle et la stabilité. Souvenez-vous, je vous ai parlé de stabilité. Donc ici, la carte, elle suggère quoi? Qu'il est peut-être temps pour vous de reprendre votre vie en main et d'affirmer votre pouvoir, votre autorité sur toute situation qui se présente à vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial ou au niveau spirituel. Vous avez la force et la volonté de prendre des décisions qui vont vous apporter des changements positifs dans votre vie. Cependant, il est important aussi de ne pas vous laisser aller à la peur ambiante, par exemple, et utilisez plutôt votre influence pour mettre de l'ordre et accomplir des choses qui sont importantes pour vous, quel que soit le domaine de vie. En contre, on a la carte la force, qui représente, eh bien, la force, comme l'indique cette carte, la puissance, l'énergie, le mouvement, la transformation également. Elle indique que vous avez accès en général à une source abondante d'énergie, de puissance, de force. Il ne tient qu'à vous pour la canaliser dans l'action. Vous devez prendre le taureau par les cornes, le contrôle de votre force que vous avez en vous et libérer le potentiel qui est en vous. Il y a pendant ce mois de juin une libération de votre potentiel. Donc ça, c'est très très important. Et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur en fait des défis, de vous mettre au défi, de sortir de votre zone de confort, parce que c'est vrai que c'est inconfortable sur le moment, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'évoluer et de créer quelque chose de nouveau. Au-dessus, en vibration, on a une carte extrêmement dynamique et c'est le chariot. Vous allez de l'avant avec le chariot. Le chariot représente la victoire, le succès. C'est un voyage que vous allez entreprendre pendant ce mois de juin. Si vous utilisez votre détermination efficacement, tout votre travail acharné finira par porter ses fruits. Vous devez faire preuve d'une grande détermination pendant ce mois de juin et d'une grande concentration pour que les choses se mettent en place, et quel que soit le domaine de vie. Vous disposez de toutes les ressources nécessaires, de votre énergie, de l'énergie, des ressources pour mener à bien vos projets et atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de vie. Donc ne doutez pas de votre potentiel, de votre force et de votre détermination. Ça va faire la différence pendant ce mois de juin. Et ensuite, on a la carte l'amoureux. Alors, l'amoureux peut représenter l'amour, mais pas que. Il y a cette notion de choix au travers de cette carte. Ça représente les liens forts, les relations, toute forme de relation, que ce soit des relations amicales, de travail, familiales ou amoureuses, et la recherche d'un équilibre ici entre deux forces qui peuvent être opposées. Donc, ça suggère ici
que vous devez vous ouvrir aux autres, ouvrir votre cœur afin de trouver un véritable épanouissement, quel que soit le domaine de vie. Permettez-vous de ressentir de l'amour, de la joie pour ceux qui vous entourent, ainsi que pour vous-même. Ça, c'est très important de vous aimer, pour pouvoir donner de l'amour aux autres. En vous rapprochant de ces personnes qui sont connectées à vous, qui sont sur la même vibration, vous pouvez créer un lien de confiance qui va vous apporter l'harmonie et l'amour dans votre vie. Donc ici, ce qu'il faut retenir hein, par rapport à ce tirage du mois de juin, c'est que vous pouvez trouver la force en vous-même. Vous êtes prêt à prendre des risques. Prenez ces risques. Parce que si vous prenez ces risques-là et si vous suivez votre cœur, vous allez pouvoir en fait atteindre le succès. Donc ayez foi en vous, faites confiance à votre intuition et n'hésitez pas à aller au bout de ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine de vie. Donc cette fois-ci, on va rajouter d'autres messages, on va regarder sur quoi vous devez faire un focus, on va voir un peu la corrélation, entre les cartes et ce que je viens de vous dire. Donc on va regarder ici, avec le Golden Universal Tarot, sur quoi vous devez faire un focus, sur quoi vous devez vous concentrer. Alors, on a la carte, ok, l'as de denier qui parle bien de nouvelles opportunités à venir. Donc, vous devez être prêt à saisir cette opportunité. C'est important. Donc, faites-vous confiance. Vous allez libérer votre potentiel et vous allez pouvoir voir que l'univers vous met sur votre chemin cette nouvelle opportunité, quel que soit le domaine de vie. Donc là, il y a quand même ici une opportunité. Ça peut être une opportunité financière parce qu'on a la carte le denier, c'est vrai, ou matériel. Ça évolue dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, le battleur, une lame majeure. Donc concentrez-vous sur ce nouveau départ qui vous attend, sur ce nouveau voyage, sur ces nouvelles ressources qui vont vous permettre d'atteindre le succès. Ça peut parler d'une nouvelle relation amoureuse, d'un nouveau projet professionnel ou dans tout autre domaine. En tout cas, il y a une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme, un nouvel optimisme et il y a une libération de votre potentiel. Je vous l'ai répété, mais c'est ce qui ressort beaucoup ici dans votre tirage. Donc concentrez-vous sur cela. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de bâton qui parle bien ici de quelque chose qui vient vers vous, de ce quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet par exemple immobilier. Si vous avez l'intention d'acheter ou si vous avez l'intention de déménager, ça se profile, ça arrive. C'est là. Donc soyez prêt à ouvrir votre cœur, soyez prêt à ouvrir vos bras à toutes ces nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Allez, quel est le message de l'univers ici pour ce mois de juin pour les Capricornes? Là. Et nous avons, waouh! On a de nouveau la carte le battleur qui représente le nouveau départ. Voyez, donc là, ici, l'univers vous dit que vous y êtes. Que si vous libérez votre potentiel, vous allez entrer dans un nouveau cycle. Vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Vous allez pouvoir vous réaliser dans quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est un nouveau cycle qui vous attend. Je vous lis le message. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. En plus, vous n'êtes pas seul. Vos anges sont présents, vos anges gardiens. L'univers est là. Il va vous mettre sur votre route de nouvelles opportunités à saisir, que vous allez pouvoir saisir. Et vous allez pouvoir vous créer une vie qui vous ressemble davantage.
Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Vous voyez, je vous ai parlé de libération, de ces blocages, de ces défis qu'il va falloir relever pour pouvoir libérer votre potentiel, parce qu'il y a des choses qui bloquent. Je le vois pour ce début de mois de juin, mais facilement vous allez surmonter tous ces obstacles, tous ces blocages, et vous allez pouvoir vous libérer. Donc libérez-vous de tout ce qui vous entrave, c'est ce que vous dit ici l'univers, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir, comme je vous l'ai dit, ayez foi en vous, en votre potentiel et en l'avenir. Et des opportunités se présenteront à vous. Bon, ça résume tout à fait tout ce que je vous ai dit pour ce mois de juin. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc il vous suffit de vous libérer de tout ce qui vous entrave et vous allez voir que les opportunités vont arriver pleinement vers vous. Il n'y aura plus qu'à choisir. Et vous ferez le bon choix. En plus, vous pouvez compter sur des personnes de confiance. Parce que vous avez des personnes de confiance, je vous l'ai dit. Vous avez des relations qui sont très, très solides. Donc, il va falloir, là aussi, privilégier des liens forts avec des personnes de confiance qui vont vous stimuler, qui vont vous aider à avancer dans tous vos projets, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour les Capricornes. Donc, j'espère que ce tirage pour ce mois de juin va vous aider, va vous accompagner tout le long de ce mois. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce j'aime parce que ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, vous avez les tirages privés que je propose, les formations pour apprendre le tarot, le tirage soin qui est disponible sur mon site du mois de juin. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens pour vous renseigner. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.